Je sais pas si t'as vu ce qui s'est passé en Corée du Sud. Enfin, ça me dépasse, hein. Oh là là, mais quelle horreur, quoi. Oh, les gens qui sont piétinés et tout, non mais c'est abusé. Moi, j'en peux plus, moi, de ce monde, hein. Les gens sont fous, hein. Non mais c'est un truc de malade, hein. J'en peux plus. Hein. Oh pardon, vous êtes là, bonjour à tous, on est de retour pour une nouvelle vidéo pour parler des occasions du jour sur Gran Turismo 7. Aujourd'hui, il y a une nouveauté, il y a beaucoup de mouvements de stock, on va analyser tout ça. Pour commencer, la Volkswagen 1200 1966 est en rupture de stock, cette voiture, on peut la gagner dans le GT Café numéro 3. L'auto Bianchi A112 Abarth 1985 est en stock limité à 28 400 crédits, un véhicule qui est à prendre si jamais vous ne l'avez pas encore. La Nissan Silvia QS S13 1988 en stock limité 31 900 crédits. Elle était en stock limité hier, cette voiture vous pouvez la gagner dans le GT Café numéro 10. L'Abarth 595 SS 1970 est en stock limité à 50 200 crédits. Si vous ne l'avez pas encore, profitez-en de l'acheter dans les deux prochains jours. La Renault 5 Turbo 1980 est en rupture de stock. La Abarth 500 2009 est en stock limité à 25 200 crédits, une voiture que vous pouvez acheter neuve, que vous pouvez remporter dans le GT Café numéro 7. L'Alfa Romeo Mito 2009 est en rupture de stock, c'est pas très très grave, vous la gagnez dans le GT Café et vous pouvez l'acheter neuve pour 28 500 crédits. La Mitsubishi GTO Twin Turbo 1991 est en rupture de stock, mais si vous avez le permis B en or, vous n'avez pas forcément besoin de cette voiture puisque vous la gagnez. La Ferrari 308 GTB 1975 est en stock limité depuis hier. C'est disponible à 177 300 crédits. Une voiture que vous pouvez remporter dans le GT Café numéro 38. La Mitsubishi Lancer Evolution 4 GSR 1996 vient de passer en stock limité aujourd'hui. Elle est disponible à 44 800 crédits. C'est vraiment pas très très cher pour une Lancer Evo. La BMW M3 Sport Evolution 1989 en stock limité à 179 000 crédits. C'est le dernier jour pour la prendre. Mais cette voiture, vous la gagnez dans le GT Café numéro 22. La Lamborghini Diablo GT 2000 est en stock limité à 789 300 crédits, c'est un petit peu cher, mais c'est une véhicule que vous ne pouvez pas avoir autrement qu'en occasion. Je vous conseille donc de le prendre dans les deux prochains jours. La Mazda RX-7 Spirit R Type A FD 2002 vient de passer en stock limité. Pas du tout, elle était déjà en stock limité hier, je dis des bêtises. 215 600 crédits, c'est donc le dernier jour pour la prendre, mais cette voiture vous pouvez l'acheter neuve pour 250 000 crédits. La Chevrolet Corvette ZR1 C4 1989 vient de passer en stock limité aujourd'hui, elle est disponible à 77 700 crédits, une voiture que vous pouvez remporter dans le GT Café numéro 27. L'Alfa Romeo 8C Competizione 2008 en stock limité à 285 000 crédits, celle-ci vous pouvez l'acheter neuve pour 350 000 crédits et vous pouvez la remporter dans le GT Café numéro 23. L'Audi R8 4 litres 2 2007 en stock limité à 146 100 crédits, une voiture que vous pouvez acheter neuve pour 166 700 crédits, elle vient de passer en stock limité aujourd'hui. Si jamais vous voulez faire une petite économie de 20 000 crédits, vous pouvez l'acheter en occasion. La Chevrolet Corvette ZR1 C6 2009 est en stock limité à 106 700 crédits, vous pouvez l'acheter neuve pour 120 000 crédits. Et enfin, pour terminer du côté des occasions, la Toyota Sprinter Trueno 1600 GT Apex Shigeno version, il est impossible d'avoir autrement qu'en occasion, vient de passer en stock limité à 98 700 crédits. On va passer du côté des légendes. Il y a un nouveau véhicule, ça sera le seul nouveau véhicule pour aujourd'hui. Il y a aussi une rupture de stock. En l'occurrence, la Shelby Cobra 427 1966 n'est plus disponible, qui a été disponible à 12-13 jours environ. Donc si jamais vous êtes passé à côté, il faudra attendre 2 mois et demi, 3 mois avant qu'elle revienne. Et nouveau véhicule du côté des légendes, c'est la Chevrolet Corvette Stingray Racer Concept 1959 à 4 millions de crédits. Véhicule que je vous conseille de prendre, puisque de toute manière, vous ne pouvez pas l'avoir autrement. 4 millions de crédits, c'est un peu cher, mais vous allez avoir un petit peu de temps pour rouler et pour vous la procurer. On se quitte là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Allez, à plus les gens.